une joie immense. Une joie immense, vous savez, la campagne a été dure, difficile. Je le disais la semaine dernière, on a en face de nous des gens rodés à la politique, rodés à ce genre de campagne brève mais intense. On était quelque part un peu novices, mais grâce à la mobilisation des militants sur le terrain de l'Épine, je crois qu'on a quand même mené une campagne extraordinaire. À la différence de certains, nous n'avions ni les moyens, ni nos moyens de pression, nous n'avons fait de proposition à personne, nous n'avons rien voulu soudoyer les gens, ni lui offrir d'appartement. On a juste expliqué qu'on voulait entamer une nouvelle démarche en politique, quelque chose de nouveau, une manière de travailler tous ensemble avec la population, et changer les méthodes qui jusqu'à présent mettaient un peu Loupine sous une cloche un peu et un poids terrible. Je veux dire, Loupine a besoin d'autre chose que ce clientélisme, ce passe-droit. Loupine est un quartier difficile où les gens ont des problèmes et ils ont besoin qu'on réponde à ces problèmes d'une autre manière. Personnellement, c'est une victoire. Oui, je l'avoue, une victoire un peu différente pour les autres. Je me considère malgré tout comme un nationaliste, peut-être pas un nationaliste de la première heure, mais quand même un nationaliste depuis une trentaine d'années. Et c'est vrai que pour moi, c'est une joie intense d'être le premier nationaliste lorsqu'il rentre au Conseil général. Le Conseil général, pendant des années, a été un peu la chasse gardée de tout un système politique. Aujourd'hui, tout ça se fissure. Grâce à un nouveau discours, je pense qu'on va essayer de faire changer les choses. On va même reconnaître que nous étions les représentants de cette nouvelle municipalité, cette nouvelle manière de travailler ensemble. C'est vrai que ça a pesé. Mais surtout, ce qui a pesé, c'est l'implication de tous les militants sur le terrain qui ont réussi à convaincre chacun de son côté. L'élection a été difficile. Encore une fois, les gens qui étaient en face de nous étaient les derniers tenants d'un système qui aujourd'hui, je pense, est carrément à terre. C'est vraiment une très grande joie et je crois que c'est une victoire collective qu'on va fêter ce soir, bien sûr, sur les trois cantons. Voilà, on a fait beaucoup de travail avec Michel, on s'est retrouvés sur beaucoup de points, on a travaillé ensemble. Aujourd'hui, c'est la victoire de la démocratie, c'est la victoire d'une nouvelle démarche qui s'est initiée il y a un an à Bastia avec Issam El Belasti qui a réussi à fédérer des sensibilités différentes sur un même projet, sur les mêmes idées, sur les mêmes valeurs. Et la victoire de ce soir nous prouve que nous avions raison. Nous voulons l'amplifier, la confirmer et au-delà de Bastia, bien sûr, la porter sur d'autres communes comme ça a été fait ce soir. Je suis très satisfait personnellement, je dirais qu'en tant que maire de Vic-des-Pédrabouilles, d'une commune qui appartenait à un autre canton, qui est venue dans un giron beaucoup plus urbain et rural mélangé, il y a plus de cohérence. Et plus de cohérence au niveau géographique, au niveau territorial, nous permettra de monter des projets en commun. C'est ce que j'ai dit particulièrement à mes amis de Bastia. On pourra, sur des zones qui sont en limite frontalière, travailler sur des sujets très importants de liaison routière, de logement social ou de services publics. Je dirais que ce qui s'est passé ce soir va nous permettre de travailler ensemble plus que nous n'avons pu le faire jusqu'à présent. En partageant les valeurs qui ont été énoncées ici, transparence, équité, honnêteté, etc., sont des choses que je ne renie pas du tout, au contraire que j'ai toujours mis en avant. Donc ce sont ces valeurs-là que je vais promouvoir, mais ça n'empêche pas que je serai en particulier attaché au camp libéral. Ceci n'empêche pas que nous ayons, comme le disait Vadina tout à l'heure, beaucoup de points communs, beaucoup de points de convergence, et c'est tout le sens qu'on a voulu donner à notre démarche. Ce n'est que le prolongement de ce qui s'est passé ici il y a un an, et de ce qui s'est passé un peu partout, et ce que nous voudrions étendre à la Corse. Et on s'attendait à ce qu'il y ait une abstention, mais malgré tout, on s'attendait aussi à faire un bon score. Donc l'abstention, on le sait très bien que c'est dû au contexte particulier des cantonales, qui fait que ça n'attire pas énormément de votants du monde. Il y a aussi le contexte corse qui fait que dans le cadre de la réforme, on annonce que le département pourrait disparaître d'ici 2 ans. Ce sont des choses qui finalement ont peu d'importance pour l'instant par rapport à ce que nous voudrions faire, ce que nous voudrons faire, ce que nous pourrons faire au sein de cette institution.